personnes, je crois. On est quelle couleur? Oh, c'est impeccable là. Dites-moi. Vous avez déplacé. Vous l'avez mise. Le plus déplacé sera rien d'abord. Ça ne va pas. Je vous le donne parce que on va avoir trois spectacles. J'ai déjà commencé à travailler dessus. D'accord. Mais je le prends avec plaisir. Ouais. Bien, chers collègues, bonsoir. On va demander à nos collègues de retrouver leur place. Merci d'être présent pour ce conseil municipal de rentrée. Avant de faire l'appel, je voudrais donc vous informer que suite à la démission de Madame Anpas, et des suivants sur sa liste, nous avons eu deux démissions supplémentaires. Nous avons donc le plaisir ce soir d'accueillir pour donc, le conseil municipal de la ville de Saint-Germain, M. Julien Noma. Nous souhaitons la bienvenue à ce conseil municipal. Et également à la suite de la démission de Mme Carole Durand-Fiola, nous souhaitons la bienvenue à ce conseil municipal de la ville de Saint-Germain à Mme Christine Gaston. Donc nous allons procéder à l'appel. Madame Adela Prince, présente. Monsieur Gérard Sambus, présente. Madame Muriel Ferré, présente.
Monsieur Éric Estac. Présente. Madame Evelyne Rollin-Puissévert. Présente. Monsieur Gilbert Angelina. Présente. Madame Céliane Lavedrine. Présente. René Claire, excusez, à donner procuration à Gilbert Angelina. Geneviève Chartier, excusez, à donner procuration à Marie-Christine Denat-Pence. Olivier Pagès, excusez, à donner procuration à Jean-Noël Billon. Emmanuel Barnier. Et il parle, formidable. Vincent Lagarde. Nathalie Géphémovine-Cojol, à donner procuration à Gaël Bonon. Rachid Moisiz. Présent. Gaël Bonon. Patricia Marot. Présent. La voici. Hélène Dupuis-Coutan, excusez à donner procuration à Sylvia Lavedrine. Julie Sepp. Benoît Mégard. Présent. Léo Garcia. Présent. Marie-Claude Barbeau-Gaston. Présent. Catherine Mérion. Présent. Christophe Mirouze. Présent. Marion Bousquet. Présent. Didier Gréco. Présent. Christine Gaston. Présent. Bernard Gondran. Présent. Et Julien Thomas. Présent. Je vous remercie. Dans le quorum étant atteint, nous allons pouvoir délibérer valablement. On va désigner donc notre secrétaire de séance. Nous remercions Mme Ferré qui a effectivement été brillamment élue et accompli. Non, mais la dernière fois, il a accompli donc son devoir de secrétaire de séance. Donc ce soir, nous allons demander une candidature. C'est toujours avec enthousiasme que les mains se lèvent. Je lis les candidates. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci, Julie. Elle sera donc notre secrétaire de séance. Bien, nous passons à l'ordre du jour. Le premier point étant la traditionnelle approbation du procès-verbal de séance que vous avez reçu. Et donc, je vous demande s'il y a des observations, des questions, avant de passer à son approbation. Merci. Donc, je passe au vote. Approbation du procès-verbal, le dernier procès-verbal qui contre. Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. On passe ensuite également, lorsqu'il y en a, à la présentation des décisions municipales. Vous savez que, en vertu des délégations, je suis amené à prendre des décisions, mais je dois rendre compte au conseil. Donc, il y a deux décisions qui ont été prises au mois de juillet 2021. La première concerne la modification du plan de financement concernant deux dossiers. Le premier dossier, c'est la menuiserie de la cage d'escalier de la mairie du rideau métallique de la voirie. Alors pourquoi cette modification? Il a fallu bien sûr le faire rapidement, sans attendre le prochain conseil. L'estimation en interne avait été faite à hauteur de 45 459 euros. Et à la suite de l'établissement des devis, le montant a été ramené à 44 538 euros, pour passer les centimes, avec une demande de VTR de 30%. Et le deuxième dossier, il s'agit de la réhabilitation du stade Léopold Gouéry, en l'occurrence des vestiaires. 54 763 euros avaient été indiqués lors du dépôt au mois de décembre. Je vous rappelle qu'on dépose de la DETR au mois de décembre l'année précédente. Et lorsqu'on a actualisé les devis, on est passé à 59 163 euros, pour passer les centimes, toujours avec une demande de DETR de 30%. Est-ce que ça appelle des questions ou des observations? Je vous remercie. La deuxième décision concerne la gestion donc du cimetière avec une reprise de concession
Suite donc à la proposition d'une famille qui a souhaité nous faire savoir qu'elle était prête à restituer la concession. Donc, nous avons accepté, bien sûr, cette proposition avec une somme de 346 € qui a été ou sera payée à la famille, qui correspond en fait aux deux tiers de la valeur actuelle de la concession. Les discussions faites du tiers, 173 € revenant de droit au centre communal d'action sociale. Est-ce que cette décision appelle un commentaire ou une question? Je vous remercie. On me dit que ça résonne. Alors, malheureusement, vous voyez que je n'ai aucun bouton pour régler mon volume. Donc, qui peut intervenir sur le volume du micro en essayant de le baisser un petit peu? Vous voyez, des fois, on n'entend pas l'orateur et des fois, on se plaint de l'entendre trop. Est-ce que ça va mieux? Je n'ai pas l'impression que ça ait... Bon, je vais essayer de maintenir le micro à une certaine distance. Est-ce que ça va? Oui, là, c'est pas bon. Je vous trouve, mesdames et messieurs, très exigeant. Nous passons à la décision modificative numéro 2, et c'est Léo Garcia qui va nous présenter cette décision. Je pense qu'il y a un micro qui va circuler. Merci, madame Cardin. Alors, cette décision modificative a pour objectif, comme d'habitude, d'ajuster les prévisions du budget primitif qui a été voté en avril dernier pour les adapter donc aux besoins de la collectivité pour prendre en compte de nouvelles dépenses et de nouvelles recettes. On va commencer par la section de fonctionnement en dépenses. Donc, il y a des dépenses supplémentaires, notamment en alimentation. Vous pouvez le voir, 4 000 € supplémentaires. Il s'agit de dépenses de denrées pour la cantine. Lors du vote du budget primitif, nous avions repris la somme dépensée de l'an dernier, à savoir une année Covid. Et comme cette année, la cantine fonctionne presque à la normale, il a fallu donc opérer un réajustement à la hausse pour les denrées des cantines. Sur les redevances pour concession, brevet, licence, 1 560 € supplémentaires. Il s'agit ici d'un abonnement à un logiciel pour les écoles. Concernant les subventions de fonctionnement aux associations. Alors, cette somme était initialement, vous l'avez sous les yeux, de 7 942 € supplémentaires. Mais finalement, nous avons dû rajouter 1 820 € après que l'ADM vous soit envoyé. Ce qui porte l'imputation à 9 780 €. Et donc, dans cette enveloppe de 9 780 €, on retrouve donc les 1 820 € de rajout qui s'expliquent d'une façon très simple. Nous avons voté 92 000 € pour la subvention HOMSET en 2021. C'était la reprise identique de la somme du budget primitif 2020. Mais en 2020, une EDM avait rajouté 1 820 € supplémentaires et nous nous étions pas calqués sur cette EDM 2020. Donc c'est pour cela que nous rajoutons ces 1 820 € dans cette EDM 2021. 4 942 € supplémentaires aussi en subvention qui correspondent au versement des recettes de la fête foraine au comité des fêtes. 2 000 € qui correspondent à une subvention à l'association Antidote pour l'organisation du festival 3 Petits Points. Et enfin, 1 000 € qui correspondent à une subvention supplémentaire pour le comité des fêtes du Balai-Joux. En termes de dépenses supplémentaires également, des titres annulés sur l'exercice antérieur, nous devons rembourser 8 750 € qui correspondent à des trop-perçus du fonds d'amorçage d'activités périscolaires et du département concernant la cantine. Et enfin, une écriture comptable en dotation d'amortissement de 310 €. Pour financer ces dépenses supplémentaires, de nouvelles recettes sont à intégrer dans le budget. Le remboursement de frais par d'autres redevables. Alors, le montant prévu dans l'ADM que vous avez sous les yeux est de 16 719 € en plus, mais nous devons rajouter à cela les fameux 1 820 € de recettes correspondant aux 1 820 € de dépenses supplémentaires pour l'OMSER et garantir donc l'équilibre.
Donc ici, il s'agit d'un rappel auprès de l'APHIH de frais de charges locatives sur plusieurs années qui vont nous être payés donc pour un montant total, on l'espère, de 18 539 euros. Et enfin, une autre recette, il s'agit du fonds de pérégrination des ressources intercommunales et communales. Le montant du fonds voté par le comité de communes pour la ville de Saint-Jérôme est supérieur à celui qui avait été pris au budget, ce qui nous fait donc 5 843 euros de recettes supplémentaires. La section de fonctionnement est donc équilibrée à 24 382 euros en dépenses et en recettes, une fois les rajouts des fameux 1 820 euros. Merci, donc ça a été expliqué. Vous avez reçu un document et on vient de dire qu'il y avait un delta de 1 820 euros. Donc il faut rajouter 1 820 euros au compte 65-74 et 1 820 euros au compte 521, ce qui fait que l'équilibre au niveau de la section de fonctionnement n'est plus de 22 562 mais de 24 382. Voilà, on va arrêter un instant pour savoir s'il y a des questions sur cette décision modificative concernant le fonctionnement. Alors, M. Bonnon, qui a été le plus prompt. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le détaillé des titres annulés ? M. Garcia. Non, ça va, c'est une question. Alors, je sais qu'il y a une somme dérisoire, je crois, de 150 euros par rapport au département. Et le reste, donc, c'est trop perçu du fonds d'amorçage d'activités périscolaires. On a un trop perçu, il faut rembourser. Non, pas du tout. Il y a des paramètres qui ont changé. La question, c'est est-ce que c'est nous qui sommes responsables ? Une déclaration erronée, qui peut arriver, ou bien c'est. Non, répondez à cette question. Les règles qui ont changé. Non, nous ne sommes pas responsables. C'est les règles de l'attribution qui ont changé ? Non. Donc on a reçu un courrier en nous demandant de restituer une certaine somme. C'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. On nous demande de reverser au fond d'amorçage cette somme. Oui. Monsieur. Attention, il y a un autre titre qui a été question. Oui, c'est concernant la cantine. Il y a moins d'élèves dans les cantines. Donc forcément, on a trop perçu. Bon. Moins d'élèves dans les cantines en 2021. Bon. Oui, ça va, ça va. Monsieur Dopin. Excusez-moi, mais... Vous êtes avec un micro ? Il faut une tenue de verre. Est-ce que vous auriez la gentillesse d'expliquer ce que veut dire DM ? Avec plaisir. DM, c'est décision modificative. Alors, expliquez la mécanique. Oui, alors, on vote le budget généralement en avril. Le budget est basé sur des prévisions de recettes et de dépenses. Et au fur et à mesure des mois qui s'écoulent, on a besoin soit de davantage de recettes, soit de davantage de dépenses à faire, ou moins de recettes, ou moins de dépenses. Et donc, on adapte le budget voté en avril en fonction des besoins en dépenses, en recettes et de la collectivité. Il y a déjà eu c'était lors du dernier conseil municipal. On avait dû ajuster aussi un certain nombre de dépenses, un certain nombre de recettes, et c'est également le cas aujourd'hui avec cette EDM numéro 2. Il y a droit, mais ça va être. Oui. Pardon, je vous remercie pour BFD. Budget primitif. C'est le budget que j'ai voté en avril. Bon, merci. Et question sur un logiciel pour une école qui coûte 1 500 euros, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un logiciel qui s'appelle le logiciel One. C'est un outil qui va permettre de faire la liaison entre les parents, les enfants et les enseignants. C'est le NT du premier degré. Comme il existe le NT dans le second degré, dans le cadre du plan de relance de continuité pédagogique, on avait l'obligation, pour pouvoir bénéficier d'un achat d'ordinateur, on avait l'obligation de joindre un logiciel d'échange entre les familles et l'école à cette dotation pour pouvoir en bénéficier. Thank you.
C'est donc pas une demande de l'équipe enseignante. Ah, ils sont d'accord. Donc, il y aura une formation avec. Mais il fallait en bénéficier dans le plan. Pour pouvoir bénéficier de l'achat des ordinateurs, il fallait intégrer ce logiciel aussi. Et au final, c'est donc pas les subventions qui payent ce logiciel, mais la municipalité. Si, c'est juste une réattribution sur deux lignes, en fait. Il était prévu dans le plan d'investissement. Ce logiciel est payé par une subvention. Oui. D'accord. Merci. On continue sur l'investissement. Alors, sur l'investissement, donc là aussi des dépenses supplémentaires. En matériel informatique, donc plus 26 990 euros de dépenses supplémentaires qui correspondent à du matériel informatique pour l'hôtel de ville pour 140 euros et à du matériel informatique pour les écoles pour 26 850 euros. Des dépenses supplémentaires également en matière de construction, 330 000 euros de dépenses supplémentaires qui correspondent à 103 000 euros pour des travaux d'isolation à l'école Saint-Alary, 200 000 euros pour des travaux d'isolation à l'école Oscar Aurillac et enfin 27 000 euros pour des travaux, 27 000 euros pour des travaux dans les comptes de l'hôtel de ville. Pour financer ces dépenses supplémentaires, de nouvelles recettes sont donc à intégrer dans le budget. En recettes, on a des subventions d'investissement de l'État pour 255 908 euros de recettes supplémentaires qui correspondent à de la DETR pour les ADGECO au gymnase François Camel pour 16 200 euros, à des subventions de l'État pour les travaux dans les écoles pour 199 455 euros, et enfin des subventions du plan de relance pour le socle numérique dans les écoles pour 22 793 euros. Il y a également le produit des amendes de police, 7 995 euros supplémentaires. Alors il faut savoir que les amendes de stationnement et autres que nos concitoyens payent ne vont pas directement dans le budget de la collectivité. Le produit va directement, est directement caissé par l'État, et l'État en reverse une petite partie aux collectivités qui ont des projets d'aménagement en matière de voirie, de circulation, de sécurisation de passage, de transport. Et c'est le cas de la commune de Saint-Girons qui a participé à l'aménagement du carrefour de Montaigut, par exemple. Pour nous aider également à financer ces nouvelles dépenses d'investissement, il y a 92 777 euros d'emprunt qui vont nous aider donc à financer ces dépenses. Et enfin, une écriture comptable de 310 euros, il s'agit là aussi d'amortissement. La section d'investissement est donc équilibrée à 356 990 euros en dépenses et en recettes. Et donc cette décision modificative vient acter le versement de subventions attendues par l'État et les dépenses des investissements qui correspondent, mais aussi le versement de subventions pour plusieurs de nos associations. Et donc notre Assemblée est donc amenée à se prononcer sur cette décision modificative en prenant en compte les rajouts en section de fonctionnement précédemment exposés. Je vous remercie. Oui, merci. Un mot cependant sur cette DM numéro 2 au niveau des investissements. Donc on l'a dit, le budget collectif qui est voté tôt dans l'année prévoit un plan d'investissement, puis suivant l'évolution des dossiers, des notifications de subventions, il peut y avoir effectivement des adaptations, et c'est le cas ce soir. Je voudrais souligner, quand même, ça a été dit rapidement, que la ville de Saint-Girons, dans le cadre du plan de relance, a souhaité déposer, comme habituellement, dans des délais très brefs, plusieurs dossiers pour aller vers une amélioration énergétique de certains de ces bâtiments. Donc nous avons été qualifiés pour quatre dossiers, l'isolation des combles de l'hôtel de ville, la réhabilitation de l'école Saint-Alary, la réhabilitation de l'école maternelle et de l'école primaire Oscar Aurillac et enfin la réhabilitation de l'ancienne école des Jean Cobain. Je voudrais quand même souligner que pour un montant de travaux assez conséquents, puisqu'on est aux alentours de 280 000 euros, si je ne me trompe pas, on a obtenu quand même 80% de subvention. C'est quand même une opération très intéressante pour la ville. Alors le fait de pouvoir anticiper finalement ces travaux, c'est d'abord parce que les subventions sont notifiées et à une hauteur relativement remarquable de 80%. Et ensuite, je ne sais pas si tu citais Saint-Alary, Bon. Et ensuite, on a des programmes qui glissent, donc notamment la passerelle, on a
tout à l'heure, le part du tribunal, on y reviendra également tout à l'heure. Donc ça nous permet finalement d'accélérer les travaux sur d'autres domaines. Et donc ceux-là sont, si vous votez la DM ce soir, inclus dans le budget 2021, et nous allons donc lancer le plus vite possible ces travaux, une fois qu'on aura bien sûr toutes les autorisations réglementaires. Voilà ce que vous pouvez rajouter. Et maintenant, si vous avez des questions sur l'ADM partie investissement, nous y répondrons. Bien, je vous remercie. Donc, on va passer à la délibération sur la décision modificative donc, en section de fonctionnement d'un montant de 24 382 euros, montant rectifié et en investissement de 356 990 euros. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 3 et nous allons reparler donc, des travaux d'aménagement par le tribunal, de la réfection de la passerelle et du château du Vicomte. Alors, je vous rappelle que nous avions eu l'occasion de délibérer déjà il y a quelques mois en établissant un plan de financement comprenant donc les travaux concernant le parc, les travaux concernant la passerelle et également les travaux concernant le château avec notamment la mise en accessibilité pour les étages, notamment le tribunal, et le ravalement des façades. Pour un montant de 1 409 202, je vous passe les centimes, qui avait fait l'objet donc de demandes diverses de subventions. Que s'est-il passé entre temps, vous le savez, on l'a évoqué déjà, concernant le parc du tribunal. Après le projet lancé par le PNR, on nous a permis finalement de raccrocher ce projet à cette démarche donc, du PNR, que rappellera Mme Lavedrine dans un instant. Nous avons été, donc, je crois, parmi 5 communes dans l'Ariège à être retenues pour mettre à notre disposition donc, une architecte paysagiste. Vous le montrerez tout à l'heure en commentaire. Et donc aujourd'hui, ce soir, nous sommes en mesure d'avoir les résultats de son travail, qui a été présenté, je crois, en commission d'ailleurs. On a parlé d'une commission cadre de vie, oui. Absolument, et avec une estimation qui va nous permettre donc de réétalonner le montant de ce dossier. Et enfin, deuxième raison pour laquelle nous devons adapter le plan de financement, ça concerne la passerelle. Vous le savez, là encore, nous avons été amenés à recruter un maître d'œuvre à qui nous avions demandé de travailler deux missions. Une mission sur l'opportunité de réparer la passerelle existante et une mission d'évaluer donc le remplacement. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Là aussi, nous avons eu le compte rendu de ce bureau d'études et nous avons un estimatif précis qui va nous permettre donc de redéfinir le montant global de ce projet. Je vous dis simplement qu'au printemps, on était à 1 409 202 et qu'après ce travail qui nous aura permis d'affiner les deux projets que je viens de citer, on garde à peu près le même volume, quand on parle de grands équilibres, hein, puisque nous passons à 1 489 206 euros, et vous verrez tout à l'heure comment on va le décliner en termes de subventionnement, sachant que notre objectif, c'est évidemment d'essayer d'atteindre le maximum niveau du taux de subventionnement. On a, sur le plan de financement, ciblé l'objectif de 80%, on le déclinera tout à l'heure. Mais avant cela, je voudrais qu'on rentre plus précisément dans les deux projets. On va commencer donc par le projet par le tribunal, donc on aura l'occasion de partager le travail fait en partenariat avec le PNR, et ensuite je vous parlerai de la passerelle. Madame la Madrine, je vous cède la parole. Merci. Est-ce que vous y voyez bien? Une...
Ce fameux projet du parc du tribunal qui s'ouvre aux yeux, c'est pratiquement le projet qui est finalisé après des mois d'études et de travail avec le PNR, puisque vous savez qu'on a répondu à un appel au projet. L'appel à projet du PNR, c'est un espace public adapté au climat de demain. Donc c'est vrai que la partie la plus importante, c'est la partie de la végétalisation. Néanmoins, on va en discuter, il n'y a pas que la végétalisation. Donc ce que je vais faire, je vais vous présenter le schéma avec tout ce qui va être détail technique et les aménagements. Et puis après, si vous avez des questions, je répondrai à vos questions par rapport à l'aménagement du parc. Alors, je vais procéder en fait par partie. Voilà, on va commencer, je vais commencer. On va commencer par la partie entrée du tribunal. Ici, donc, on commence par un prolongement de l'aménagement de la rue Pujol avec un resurfaçage de l'entrée devant le parc. Ici, donc, des attaches vélo. Une continuité du parking qu'on va voir ici avec deux places de parking plus une place PMR. Et ici, donc, le parking qui contient donc au total, il y aura 24 places, donc une place PMR. Donc le nombre de places de parking, on reste dans les 22, entre 22 et 24 places. Alors, au niveau des équipements, donc. On verra tout à l'heure, je vous montrerai pour compenser l'absence de parking qui quand même était un sujet assez polémique puisqu'on supprime beaucoup de places de parking. Donc on vous montrera ce que notre architecte paysagiste nous a proposé pour récupérer des places dans l'environnement du parc. On en parle tout à l'heure. L'aménagement chaussée, donc on en a parlé. Équipement des rails de vélo, donc on en a positionné ici, ils sont matérialisés. Il y en aura d'autres également sur cette entrée-là qui n'ont pas été encore matérialisés. À définir aussi si on aura des attaches vélo avec abri ou sans abri, donc ça c'est à définir plus tard. Le matériel encore n'a pas été sélectionné, n'a pas été choisi. Au niveau de la circulation des véhicules, alors c'est vrai que là. Voilà, donc la circulation des véhicules se fera comme elle se fait actuellement, hein, donc par la voie de la rue de la Baie du Clos, avec, comme actuellement, une possibilité de contournement à la sortie de la passerelle. Donc là, pas de voiture, uniquement cet espace d'ailleurs sera réservé aux riverains, hein, puisque c'est uniquement pour l'accès aux riverains qu'on va aménager cette voie. Concernant la circulation des vélos, parce que là on parle des voitures, donc dans le cadre de la passerelle qui va être donc réaménagée, ce sera une passerelle donc d'une largeur de 3 mètres qui permettra la cohabitation piéton-vélo. Donc les vélos qui arriveront par la passerelle pourront donc emprunter cette rue de la baie du Clos et rejoindre la rue Pujol et pourront descendre en suivant la rue Pujol, Trivry-le-Franche, jusqu'à la place des Monuments aux Morts. L'idée, c'est d'avoir justement un parcours mode doux qui sera un peu plus tard aménagé pour cela. Ok, pour la circulation. Donc ici, près du parking, donc un parking en herbe avec la végétation, avec un système de circulation beaucoup plus, je dirais, adapté, c'est-à-dire on fait le tour du parking pour pouvoir se garer. Ici, à l'angle du parking, vous aurez les containers seront présents avec un cache-poubelle. Plus tard, il y a des containers enterrés, ça c'est pas encore non plus précisé. Concernant le mobilier urbain, alors je ne sais pas si vous le voyez bien parce que c'est quand même assez petit.
En mobilier urbain, voilà, vous avez donc là où, effectivement, ces deux tables de pique-nique hein, qui avaient été demandées par rapport. On reviendra tout à l'heure sur le travail qu'a fait le Conseil citoyen, puisqu'on a travaillé avec eux hein, dans de différentes réunions, et on verra par rapport aux questions, enfin, du moins aux souhaits qu'avaient exprimés les habitants de Saint-Girons, on est pratiquement dans 90% des souhaits qui ont été exprimés par rapport à ce projet. Donc, des tables de pique-nique, des bancs qui seront positionnés le long des allées, on en voit quelques-uns, un point d'eau, ici un WC, là un jardin d'enfants. Alors, pour le jardin d'enfants, donc c'est quelque chose sur lequel on est très attaché, parce qu'aujourd'hui à Saint-Girons, il n'y a pas vraiment de jardin public pour enfants. Donc on veut que ce lieu soit un véritable véritable lieu pour avec des jeux d'enfants. Il a été positionné ici. Il sera peut-être éventuellement étendu en fonction du type de jeu qu'on souhaite y placer, puisqu'aujourd'hui, vous savez, c'est des jeux qui attirent et qui plaisent aux enfants. Ce sont des jeux assez compacts, assez importants, avec le style araignée, style pyramide. Avec des jeux qui comprennent plusieurs facettes, escalade, glisse, toboggan. Donc voilà, on souhaite que cet espace-jeu soit très complet, avec bien sûr donc, des jeux 3-5 ans et des jeux 6-12 ans, hein, qui correspondront à la fréquentation à la fois des enfants qui viennent avec les parents, mais aussi éventuellement avec les écoles qui sont aux abords, donc l'école maternelle, l'école primaire. Concernant les jeux d'enfants, on en a parlé. Alors, au niveau de l'éclairage, bien sûr, l'éclairage est prévu. Donc, il y a d'abord l'enfouissement des lignes hein, qui sont actuellement en aérien. Donc, les lignes sont prévues pour être enfouies. Et bien sûr, un éclairage qui sera un éclairage d'intensité, des éclairages LED ou des éclairages avec panneaux solaires, mais on verra, puisque là, on va quand même avoir un environnement avec des arbres, donc il faut voir si ça, c'est possible. En sachant que, de toute façon, ce parc, on n'en a pas parlé, mais ici, cette ligne que vous voyez, c'est un parc qui sera clôturé, donc qui sera fermé la nuit. Donc effectivement, l'éclairage, il y en aura, mais c'est un parc qui sera fermé la nuit, donc il n'y a pas une nécessité d'éclairer énormément, puisque de toute façon, comme dans tous les espaces publics, ben, les parcs publics dans les villes, les parcs sont fermés la nuit. Donc la clôture, qui sera une clôture qui reprend, qui sera prévue avec des grilles en ferronnerie à l'ancienne, avec donc, un portail côté passerelle, un portillon piéton et un autre portail devant l'entrée du tribunal. Donc au niveau de la végétalisation, puisque c'est quand même l'objet du projet principal par rapport à notre collaboration avec le PNR et Madame Labarthe, donc il y avait deux possibilités. On nous avait proposé soit de réaliser des jardins, ce qu'on appelle à la française, soit des jardins à l'anglaise. On a pris les deux options, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire des jardins à la française côté parc du tribunal et côté de l'autre côté de l'espace scénique, on va en parler. On a souhaité avoir un parc beaucoup plus à l'anglaise, c'est-à-dire un parc où on se promène, où on peut s'asseoir avec des espaces verts, et donc des pelouses, quelque chose qui soit beaucoup plus convivial. Hein, un peu moins strict et rigoureux dans l'aspect végétalisé. Il faut savoir que sur la palette végétale, c'est le seul travail qui n'a pas encore été mené vraiment jusqu'au bout. Madame Labarthe, l'architecte paysagiste, nous a proposé une palette végétale qui est assez variée, mais il faut qu'on se voit justement pour savoir ce qu'on va positionner comme arbre à feuilles caduques, arbre à feuilles non caduques. On dit que c'est un espace adapté au climat de demain. Ça veut dire qu'on anticipe donc une augmentation de la température, donc une préservation des espaces et éviter les îlots de chaleur. Donc ça voudrait dire
qu'on va vers des arbres en feuilles non caduques. Est-ce pour autant l'hiver, on n'a pas envie d'avoir des espaces un peu ensoleillés? Voilà, donc ça c'est encore quelque chose qu'on est en train de voir avec Madame Labarthe. Et puis il y a des endroits où il y aura plus de fleurs, de buissons, de façon à ce qu'il y ait aussi cet aspect végétal, fleuri, où il sera quand même agréable de se promener. Alors, donc le parc sera clôturé. Les vélos passeront donc par la voie qui est prévue à cet effet, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas rouler en vélo à l'intérieur du parc, si ce n'est de prendre son vélo à pied. Ah, pardon, oula. Arrêtez. C'est bien de continuer. Oui, d'accord. Oui, donc effectivement, donc les vélos ne pourront pas circuler dans le parc. En ce qui concerne également les chiens, donc ça avait été aussi une remarque qui avait été faite par les habitants de Saint-Juron, donc les chiens ne seront pas admis, même en laisse, à l'intérieur du parc. Par contre, nous, ça nous laisse une obligation, je dirais, de créer un canicite, quelque chose, un espace pour les chiens qui soit relativement grand pour qu'on puisse aussi pouvoir promener les chiens. Aujourd'hui, cet espace, il n'est pas, je dirais qu'on n'a pas choisi le lieu où il pourrait être. Alors on imagine que ici, nous avons actuellement une urine que nous serions susceptibles d'acquérir. Peut-être que là, ce serait un endroit qu'on pourrait dédier à ce type d'espace canicite. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Concernant effectivement la tranquillité des lieux, ça c'est quelque chose qui ressortait aussi par rapport aux souhaits des habitants. Bon, mais la tranquillité des lieux, d'abord, le parc sera fermé. Il y aura bien aussi de la vidéoprotection à l'intérieur du parc. Et bien entendu, le passage dans la journée de la police municipale. Pour vérifier que, bon voilà, pour voir si tout se passe bien, si, voilà, si les règles de convivialité sont respectées par les personnes qui viennent dans ce parc. Je vais continuer. Par rapport aux souhaits des habitants à travers le questionnaire qui a donc fait soumis le mandat citoyen, donc, moi, je vais vous lister un peu tout ce qui était demandé pour que vous puissiez constater qu'on répond vraiment à ces souhaits. Donc, conserver la propreté du lieu. Donc, effectivement, il sera donc clôturé, nettoyé, bien sûr entretenu par les services techniques. Créer des espaces de convivialité. Donc, effectivement, donc, il y aura des bancs, des tables de pique-nique, des jeux pour enfants. Encadrer l'accès aux chiens. Donc, on vient d'en parler. Les chiens seront interdits, maintenus en laisse. Offrir un sentiment de sécurité, eh bien, on en a parlé aussi, vidéoprotection, présence de la police municipale dans la journée. Alors, une chose dont on n'a pas parlé, c'est le multiplier les événements festifs. Donc, comme vous le voyez, on a prévu donc près de la scène qui existe actuellement, c'est une grande terrasse, on a prévu donc un espace avec gradins ou chaises qui pourra donc être aménagé d'une période allant, par exemple, du mois de juin au mois de septembre, où donc il y aura des manifestations, des concerts, voilà. Et cet espace, après l'hiver, sera démonté, et on retrouvera le parc uniquement pour de la promenade, et voilà. Enrichir et diversifier la végétation, ça aussi c'était un souhait, donc ben, c'est tout à fait l'objet de l'appel à projet du PNR, donc là, ça va être le cas. Améliorer l'accès aux salades. Alors ça, c'est non prévu. D'abord parce qu'on sait qu'il y a des contraintes réglementaires assez fortes par rapport justement aux berges du salade. Et c'est pour l'instant quelque chose qui n'est pas dans ce projet. Créer et gérer ensemble, bon, ça va être pris de toute façon en charge par la commune, mais le conseil citoyen a toujours été un partenaire, donc on continuera à travailler sur ce projet du parc, enfin, du moins sur le suivi de ce parc avec le conseil citoyen. Alors, il y avait aussi un souhait d'apporter une nature comestible. Dans ce que nous a proposé
Madame Labarthe, c'est pas quelque chose qu'elle a mis en compte. Bon, il y a des contraintes, il y a des contraintes végétales par rapport à une nature comestible. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a retenu. Bon. Supprimer la voiture, bon, ben là, comme vous le voyez, on peut dire que c'est un parc sans voiture. Installer un éclairage écologique, bon, ça a été pris en compte, bien évidemment. Plus d'entretien et de commodité. Commodité, bon, ben, les toilettes seront installées. Un point d'eau qu'on a d'ailleurs situé à proximité du parc pour enfants. Alors, une aire de jeu pour enfants. Donc là, effectivement, on répond bien à la demande aussi. Ce qui avait été demandé aussi par le Conseil citoyen, c'est des jeux fixes sur table et au sol. Alors là, par contre, on a bien distingué deux projets qui vont voir le jour. Il y a le parc du tribunal d'un côté et il y a l'aménagement de l'ancienne piscine, où là, on aura effectivement des jeux qui seront installés pour des jeunes et puis pour des enfants, notamment des tables de ping-pong, par exemple, puisque c'était une demande qu'avait fait le Conseil citoyen. Une autre demande du Conseil citoyen, un mur artistique d'expression libre. Donc ça n'a pas été retenu à l'intérieur du parc. C'est quelque chose qu'il faudra peut-être prévoir ailleurs, mais on a pensé que ce n'était pas vraiment le lieu du parc. Hein, donc on pouvait éventuellement avoir un autre type de projet par rapport à ces créations artistiques. Installer un parcours sportif. Alors c'est vrai que là non plus on ne l'a pas prévu dans le parc. C'est quelque chose qu'on prévoit dans le cadre de tout ce qui est aménagement, mode doux, le long du Salade, en partant de la plaine des Chênes. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on prévoit plutôt dans ce cadre-là. Après, il y avait une autre demande, c'est aménager le skatepark. Donc ça, c'est prévu effectivement aussi à l'ancienne piscine. Donc tous les jeux vraiment un peu importants seront présents à l'ancienne piscine, plus d'autres jeux. On va compléter, si tu veux, Gérard, par rapport à ça. Voilà la présentation. Alors, je vais juste vous parler de tout ce qui est parti. Voilà, ça c'est pour. On va reparler des places de parking. En fait, quand on a rencontré Madame Labarthe, l'architecte urbaniste, elle a de suite répondu à notre problématique de moins de places de parking par rapport à notre projet qui part du tribunal. Et elle avait regardé, puisqu'elle avait venu sur place, bien sûr, elle a visité l'environnement du parc, et elle avait vu que ce parking devant la poste était disons, mal organisé. Et donc là, elle propose une réorganisation de ce parking, avec toujours pareil, un parking qui serait enherbé, et avec une circulation circulaire également. Et là, on gagne à peu près une trentaine à une quarantaine de places. Donc ça complète exactement le nombre de places que nous avions à l'origine sur le parc du tribunal. Il suffit simplement de traverser à pied la passerelle et on se retrouve dans le parc du tribunal ou en centre-ville quand on va aller faire des courses chez les commerçants. Donc c'est vrai que ça répond à une demande de place que nous avons de ce fait, que nous ne trouvons plus dans l'environnement du parc du tribunal. Je ne sais pas si... Merci Sylviane, on va remettre le plan initial. Présentation est très complète. Et donc maintenant, on va laisser... le souhait à nos conseillers municipaux d'intervenir, faire les observations ou poser des questions. Monsieur Mandron. Deux questions concernant les parkings. Vous avez un lotissement derrière le tribunal, où il y a des terrains non constructibles de Lignat et de M. Laïl. Ils sont à vendre. Ça pourrait être aménagé en place de parking. Et à ce moment-là, c'est vraiment tout proche. Et j'aimerais bien que vous reveniez
pour nous expliquer un petit peu plus cette histoire pour les festivités, oui. Les gradins que vous démontez l'hiver ou l'hiver, est-ce qu'ils sont couverts, pas couverts? Parce que c'est vrai qu'on a quand même, malgré l'augmentation de la température en général, on a quand même beaucoup de pluie aussi. Alors, quand on organise une fête et qu'on se mouille, c'est embêtant. Est-ce que vous prévoyez des gradins couverts, des espaces là, démontables et couverts? Je te laisse répondre sur la partie festive, je prendrai après la partie parking. Alors, sur la partie scénique, alors c'est vrai qu'à ce jour, on n'a pas prévu de couvrir la partie scénique, puisque la partie scénique aussi n'est pas couverte, hein, donc ce n'est pas couvert non plus. Et les gradins, c'est vrai qu'on n'a pas prévu de gradins couverts. Voilà, c'est d'ailleurs on hésite gradin, chaise, enfin on ne sait pas, mais c'est vrai qu'on a plutôt l'option du gradin, qui est plus confortable quand on assiste à un spectacle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas prévu, enfin on n'a pas pensé à la couverture. Voilà. En se disant que c'est vrai que c'est des périodes estivales, mais vous avez raison, ça n'empêche pas des jours de pluie, puisqu'on a eu des jours de pluie cet été, on a bien démontré qu'effectivement, voilà. Alors, est-ce qu'on ira jusqu'à cet aménagement, peut-être, pour exploiter au mieux cette scène, peut-être que cette scène. Voilà. Par contre, si on commence à couvrir la scène, c'est vrai que là, ça impacte l'architecture du château. Et bon, alors il y a toujours des aménagements possibles, on peut toujours respecter, je dirais, une architecture, même en mettant du moderne, hein, ça se fait beaucoup, pourquoi pas, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager. Après, un théâtre de verdure, hein, au Louvre, est rarement couvert. Au Louvre, la pyramide du Louvre, c'est ça. Qui a fait... Je le vois tout à fait, moi aussi. Bien, sur l'aspect parking, j'ai cru comprendre que vous parliez des parcelles qui sont le long du Salat, c'est bien ça? En amont de la passerelle, non? Il faut préciser alors les parcelles. Situer les parcelles. D'accord. Ça veut dire que c'est par là, monsieur Gourmand? Oui, ici. Donc nous travaillons actuellement justement avec plusieurs propriétaires, pas encore avec les propriétaires que vous avez cités. Donc on s'est intéressé dans un premier temps à toutes ces parcelles qui sont le long du Salat, qui représenteraient un potentiel très important pour à la fois du stationnement, voire même une extension du parc. Donc comme vous le savez, pour pouvoir acheter, il faut être d'accord entre vendeur et acquéreur. La rencontre que nous avons eue ne permet pas aujourd'hui de dire que nous avons trouvé un accord. Par contre, les choses ne peuvent pas évoluer, on reviendra vers vous, le cas échéant. Le deuxième propriétaire contacté, ça a été dit tout à l'heure, c'est le propriétaire de la maison avec donc quatre murs. Donc là, on est en discussion. Nous avons demandé l'évaluation. Oui, pour être complet sur le premier propriétaire, nous avons obtenu l'évaluation des domaines et nous avons donc des accords sur le montant. Pour le deuxième propriétaire dont je vous parle, l'évaluation n'est pas connue à ce jour. Nous l'avons demandé début d'été, mais parfois c'est long pour obtenir les réponses. Donc, lorsque nous aurons l'évaluation, nous reviendrons vers le propriétaire et nous verrons si un accord peut être trouvé. Et donc nous allons continuer à prospecter effectivement dans le secteur. Sachant que, bien sûr, toutes les parcelles peuvent nous intéresser, et lorsqu'il s'agit de parler de parking, il faut bien réfléchir à la façon dont on peut rejoindre ce parking et quitter ce parking. Alors, vous savez que la rue qui est projetée à l'écran, de la Vallée du Clos, est une rue quand même qui pose de problèmes, puisque ce n'est pas une rue qui permet une circulation à double sens. Donc voilà, c'est toutes ces problématiques qu'il faut qu'on prenne en compte, mais nous sommes donc intéressés, je le répète, par les parcelles qui sont à proximité du parc. Allez-vous promener dans le camp, ça s'appelle le lotissement? On va arriver au jour, monsieur, le lotissement du parc. Lotissement du parc, allez-vous promener le lotissement du parc? Vous savez, maintenant, mais on a des moyens modernes, je peux me promener depuis mon bureau. Mais je le fais très souvent. Oui, oui. J'ai répondu à votre question, je pense. Alors, sur ce beau projet de parc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, monsieur Mirose. Oui,
Oui, bonsoir. Quelle aubaine d'avoir été retenu au niveau de cet appel à projet du PNR, parce que je me souviens d'un diaporama il y a quelques mois où nous étions très très loin de cette configuration-là, avec des parkings à débit, des voitures à pouvoir. Donc, je me réjouis, je crois que notre groupe également se réjouit de cette configuration-là. C'est très bien. J'y vois par rapport à ça peut-être le commencement d'une grande action de mobilité sur la ville, puisque effectivement, si on poursuit par la rue Joseph Pujol, il y a la petite rue Villefranche, on arrive donc au monument au mort. Il y aura certainement un point noir à éclaircir pour pouvoir accéder vers le quartier adressé de Bergès, qui est censé relier les deux voies vertes, il semble. On va y réfléchir, certainement. Je suis aussi satisfait de voir que la consultation du Conseil citoyen que nous avions lancée en 2019 a servi quand même pas mal, alors que j'avais entendu dire qu'il y aurait une autre consultation, ça vous a dit que le fait d'en faire une. Là où je mettrai quelques réserves, c'est très bien que vous travaillez avec le Conseil citoyen, hein, qui est une instance très honorable et qui reste neutre. Je l'ai dit aussi, je l'ai dit ce soir, je l'ai dit lors de la commission cadre de vie, je regrette que les membres du groupe minoritaire qui siègent dans la commission cadre de vie n'aient pas été associés aux réflexions avec les architectes. Et j'ose espérer que pour ce qui est de la mobilité en général sur la ville, nous pourrons éventuellement participer et nommer nos avis. Voilà. Bien, M. Pérouse, une aubaine, je réponds oui, sur le plan financier, n'est-ce pas? Puisque ce que nous aurions été obligés de faire avec nos propres deniers, nous l'avons fait faire par le PNR. Mais je vous rassure, entre le moment où nous avons présenté un avant projet sommaire, et ce que nous présentons ce soir qui s'appelle un avant projet sommaire, bien évidemment, nous aurions fait appel à une maîtrise d'œuvre. Donc l'aubaine vient du fait que c'est le PNR finalement qui porte financièrement ce travail. Concernant la dernière partie de votre intervention, je rappelle que le travail se fait dans le cadre des commissions. J'ai souhaité que dans les commissions, les groupes minoritaires soient présents, vous y êtes, et donc c'est dans le cadre des commissions que vous avez tout loisir de pouvoir présenter les projets, de revenir sur ces projets, de discuter sur ces projets, et ensuite on a encore une étape en conseil municipal où on peut en rediscuter. Donc ne vous faites pas ce reproche de ne pas vous faire participer, vous êtes membre des commissions, et à travers les commissions, je vous encourage de participer, comme vous le faites d'ailleurs, vous étiez présent l'autre soir, mais je crois que vous avez apporté votre analyse, et je vous en remercie. Cela dit, on m'a appris quand même dans la dépêche, la réunion avec l'architecte du parc et le conseil citoyen. Et moi, je l'ai dit en commission finance, et vous étiez là, monsieur le maire, nous, on aurait souhaité que les groupes minoritaires soient au courant et associés à cette réunion avant le conseil citoyen, bien que nous respectons ce qu'appelle le conseil citoyen et son action qui est nécessaire. Très bien. Un mot sur cette réunion, le conseil citoyen. Cette rencontre avec l'architecte. Oui, ça s'est passé il y a quand même déjà quelques mois. À la demande de l'architecte. Oui, tout à fait. Ça fait partie, enfin, la concertation publique dans tout projet maintenant est obligatoire, elle fait partie intrinsèque de tous les projets. Donc nous, on avait la chance d'avoir le conseil citoyen, d'autant plus qu'il avait fait, M. Nero s'est bien placé pour le savoir, qu'il avait organisé ce sondage auprès des habitants. Et donc on avait vraiment en matière en disant, voilà, le conseil citoyen fait un travail. Et l'architecte et le PNR étaient contents de pouvoir aussi s'attacher à ce travail-là. Donc on les a fait venir, effectivement, et en exposant déjà les projets, mais surtout en écoutant ce qu'ils avaient également à dire sur ce projet, mais on avait déjà une base de travail. Donc effectivement, à ce moment-là, on a reparlé des souhaits que les habitants avaient formulés. Et voilà, ce qui a été convenu aussi, c'est de faire une réunion de présentation du projet, puisqu'on est quand même sur un projet,
au niveau du grand public. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être fait en présentant le plan et en présentant les, différents aménagements qui vont être proposés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a souhaité faire. Alors, il se trouve que le calendrier, il faut le savoir, il est quand même dicté par le PNR. Nous sommes 5 à mener un projet. Et c'est vrai qu'on a essayé de pousser un peu, de précipiter un peu ce calendrier, mais ça n'a pas été possible. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans une phase de comité technique. À fin octobre, on finalise éventuellement tout ce qui est palette végétale, mais c'est des projets qui sont menés à 5. Donc ça veut dire que Madame Labarthe doit se partager en plusieurs projets, et ce n'est pas facile pour elle, parce que bon, elle a également d'autres projets à mener. Donc effectivement, nous, on a essayé d'accélérer un peu le processus, mais ça n'a pas été possible. On est contraint par ce calendrier du PNR et le fait que nous sommes un projet parmi 5 projets. Merci de cette précision. Sur cette présentation du projet, oui, M. Lemar. Deux questions, deux remarques. Déjà, vous les avez dit que vous trouvez votre projet très chouette là, sur les plans. Deux remarques quand même, c'est sur la tranquillité. Oui. Je ne l'associe pas tranquillité avec vidéoprotection. Je ne vois, vois pas le rapport. Je vous signale que si vous voulez faire de la vidéoprotection en travaillant avec des arbres à feuilles non caduques, ça va quand même poser quelques problèmes. Il va falloir vraiment multiplier les caméras partout. Donc, c'est pas quelque chose qui fait qu'on se sentira bien et tranquille d'avoir des caméras absolument partout dans le parc. Ça fait du partout. Hein. Si vous avez des arbres, tels que sur le plan à feuilles non caduques, il va y avoir beaucoup de caméras, je pense. Et sur la réorganisation du parking de la Poste, je ne l'ai pas vu quand vous l'avez présenté. Je vous signale qu'il n'y a toujours pas de trottoir à cet endroit précis. Quand on amène les enfants à l'école, c'est vraiment problématique. Donc, vous avez parlé d'un accès en circulation autour du parking. Est-ce qu'il y a un trottoir qui est prévu? Quand Mme Labarthe nous a présenté son plan, elle a fait un plan relativement sommaire. On lui a bien précisé que son plan n'est pas réaliste, parce qu'il y a des bus qui viennent se garer devant la maternelle, et donc il y a tout aussi, comme vous dites, un cheminement des enfants. Et donc là, la partie qui est près de la maternelle va être reprise, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui vont disparaître. C'est vrai qu'elle, dans un premier temps, elle ne connaissait pas vraiment le fonctionnement de la maternelle et les contraintes qu'on pouvait avoir, et elle n'a pas tenu compte. Sachez que ça, c'est une esquisse, une première esquisse, mais ce n'est pas ce qui va être retenu si on se lance dans l'aménagement de ce parking de la Poste. Sur la vidéoprotection, déjà, il faut préciser peut-être que nous ne partons pas de zéro, parce qu'il y a déjà deux caméras sur le parc tribunal. Je vous invite à aller vous y promener, vous les repérerez. Donc déjà, la base, c'est deux caméras. La question se pose de savoir si on en rajoutera. Je rappelle aussi qu'il y a des activités dans le château, notamment un tribunal de proximité, donc on aura l'occasion aussi de discuter avec les représentants de la justice au niveau du département, pour savoir s'ils ont des exigences particulières. La vidéoprotection existe déjà, donc elle continuera à fonctionner. La question sera de savoir si on rajoute plus de caméras, et ça, on verra lorsqu'on aura pu avoir une discussion, notamment avec les usagers. Monsieur Mirouze. Concernant l'aménagement du parking de la Sévillonnet, qui est très intéressant, pensez à la suite du quai du Roc et des berges du Salat, notamment pour la mobilité douce et les piétons, avec, on en a parlé déjà, mais il vaut mieux le rappeler, non éventuellement les petites passes douces pour les trois marches de la Marianne, qui permettrait aux parents et aux enfants qui vont se rendre à l'école à vélo de passer plus tranquillement. Donc, c'est juste des petites précisions à avoir en tête, quitte à griller quelques places de parking. Et c'est vrai qu'avec la réalisation de la passerelle qui sont donc à mobilité partagée, il est évident qu'il va y avoir un aménagement qui sera fait pour que l'accès vélo, le vélo soit facilité, qu'on puisse passer en vélo sans avoir à descendre du vélo.
On est bien d'accord qu'on vous a présenté, M. Pérouse, une esquisse. Ne vous faites pas le reproche dans quelques mois. Pas le reproche, c'est l'opération. Ce n'est qu'une esquisse. Et Mme Denard se réjouit qu'on vous présente une esquisse. Parce que là, sur le parc, c'est aussi une esquisse. Vraiment, pour développer les sorties. Ça a été précisé tout à l'heure. Toujours sur ce beau projet de parc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Ah, c'était juste sur l'accès, on ne voit pas bien ce que c'est sur l'accès salade du côté de la médiathèque. C'est la partie de la terrasse. Non, le cheminement qu'il y a devant. Oui, voilà. Voilà, ça, devant vers le salade. Non, non, ouais, la terrasse est à côté. Là. Ça, c'est à l'extérieur du parc. La clôture, elle est ici. Ouais. Donc le parc. Et la terrasse, du coup. Alors, côté terrasse, donc. Côté terrasse, bon, c'est la terrasse de la médiathèque. Il faudra peut-être voir quelque chose, parce que je sais que la médiathèque voudrait pouvoir sortir des murs, pour pouvoir aller soit devant, sur la scène, soit sur le côté. Mais il faut que ce soit sur le côté, il faut que ce soit sécurisé. Hein, parce que là, aujourd'hui, ce n'est absolument pas sécurisé. Donc il faut imaginer un aménagement qui permette que, parce qu'il y a aussi des enfants qui viennent à la médiathèque, on n'a pas de souci avec les enfants qui iraient sur cette terrasse. Mais c'est quelque chose, oui, qui est prévu dans l'aménagement du parc, du château. Ceci est un espace, d'ailleurs, qui est agréable. Monsieur Mérouzon. Oui, c'est un dossier qui m'intéresse. La liste par rapport à un état d'insuffisance, c'est déjà tout de l'autorisation qu'il peut y avoir. Il y a un espace qui est ouvert à aménager, puisque au niveau du conseil citoyen, si je me souviens bien, il y avait une demande concernant l'accessibilité aux berges, tout ça, notamment, avec un essai peut-être avec les pêcheurs, avec personnes à mobilité, juste sur la passerelle, alors je crois que tout ce qui est dit, je crois que tu l'as précisé, tout ce qui est aménagement en proximité des cours d'eau, ça va devenir très très compliqué. Oui. Bien, donc quand même un mot sur l'objectif de la délibération. Donc, avec la première esquisse, on avait évalué pour les demandes de subvention le montant des travaux de 912 426 euros, on parle en taxes, bien sûr. Donc, la réactualisation du projet, on aurait une légère baisse, puisqu'on serait actuellement sur les estimations, je précise, à 896 285 euros hors taxe. Donc, en plus de constater qu'on a quand même un travail qui est, me semble-t-il, qualifié par vous, de beau travail, on a la bonne surprise d'avoir pour le moment des estimations qui sont, ne dépassent pas la première, qui sont légèrement en baisse. Il n'y a pas d'autres interventions sur le parc. On va enchaîner avec la suite, même si c'est bien déjà dévoilé en partie ce que je souhaitais dire, mais elle a bien fait. C'est la passerelle. Donc, je vous l'ai dit, passerelle, nous avions là aussi pour pouvoir prendre au rang pour les demandes de subvention, fait faire une étude qui avait conduit donc à proposer un montant pour réhabiliter cette passerelle, mais on avait souhaité aller plus loin, donc on a recruté un bureau d'études. Quelques photos pour rappeler l'état de la passerelle, qui a conduit de façon immédiate à la fermeture au public. C'était la conclusion du premier rapport, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de pièces métalliques corrodées, il faudrait changer, tu peux descendre. Voilà, une passerelle qui n'a pas été suffisamment entretenue et qui se retrouve en très mauvais état. Et je rappelle une passerelle de 2 mètres de large.
Alors là, c'est un sujet qui, pour nous ce soir, est un sujet important, puisqu'une passerelle de 2 mètres de large, ça veut dire qu'il n'y a plus de mixité d'utilisation. On ne peut pas à la fois faire circuler du béton et des vélos. Donc, on va passer à l'avant-projet sommaire, s'il te plaît. Donc, le bureau d'études qui a été sélectionné, donc tu changes de dossier. Le bureau d'études qui a été sélectionné, donc, avait cette double mission d'évaluer d'abord la possibilité de réparer son coût et de proposer un changement purement et simplement. Donc, du fait que si on restait à 2 mètres, on ne pourrait plus assurer cette mixité. Alors, tu peux remonter un peu au-dessus. Ils ont simplement souhaité faire quelques études, des s'il te plaît, complémentaires pour montrer dans quelle situation était la passerelle. Voilà, c'est des études techniques. Je l'ai vu tout à l'heure avec la flèche. Voilà. Donc là, ce sont des études techniques qui montrent la fragilité actuelle de la passerelle. Alors, ce n'est pas son état aujourd'hui, je le précise. C'est des simulations qui leur font dire qu'effectivement, elle est technique en grande fragilité. Donc, pour être très clair avec vous, le bureau d'études nous dit nous ne préconisons pas une réparation parce que le coût serait très élevé, on en parlera tout à l'heure, et parce que la largeur ne correspond plus à aux normes pour avoir une mixité. Dans leur préconisation, et on peut continuer, c'est de partir sur un remplacement pur et simple de la passerelle, avec donc une largeur de 3 mètres, et en utilisant, tu peux t'arrêter, un matériau donc, qui a un double intérêt, en l'occurrence l'aluminium. Premier intérêt, vous le savez, ne se corrode pas à l'air, donc très peu de possibilité de voir ces pièces métalliques se dégrader par la rouille. Et deuxième avantage de l'aluminium, c'est qu'il est très léger. Donc on partirait sur une passerelle avec une esquisse là encore que vous ai présentée, je le répète en alu, avec des garde-corps donc, qu'on va qualifier de transparents, mais ce sont des filets où on laisse la possibilité éventuellement, notamment en cas de crue, de circuler, on peut descendre. Voilà le type de passerelle qui est envisagée. Je précise que le bureau d'études aussi s'est rapproché de l'architecte des bâtiments de France, hein, parce que, n'oublions jamais, vous parliez tout à l'heure de couvrir la Seine, que l'architecte des bâtiments de France est celui qui mettra le tampon final pour OK, on peut se lancer dans le projet. Sur le revêtement au sol, donc ça serait du lamellé en bois exotique, si je me souviens bien. Donc là aussi, pourquoi? Parce que imputrescible, donc certainement une durée dans le temps garantie par rapport à notre espèce. Et si je me souviens bien, on peut continuer de l'éclairage au sol. Et enfin, pour éviter d'avoir, je crois que c'est la suite, hein, l'utilisation non conforme de cette passerelle, notamment des mobilettes qui pourraient s'élancer et passer à des vitesses excessives ou pas d'ailleurs sur la passerelle, il y aurait à chaque entrée des chicanes donc avec ce type de matériel. Donc vous le voyez avec donc une signalétique très claire, vélo piéton autorisé. Mixité, on est bien d'accord, et par contre, interdit tout ce qui est véhicule à moteur. Donc je crois qu'on arrive à la conclusion, c'est ça ? Vas-y. Comparatif des trois largeurs. Oui, ce que je disais au départ, donc, différentes possibilités, ce qu'on leur avait demandé, donc conserver la largeur de mètres. Mais plus de mixité, donc uniquement piéton, passer à la largeur 3 mètres et maintenir une mixité. Et ensuite, il y avait même un scénario envisageable qui était de passer à 4 mètres avec la séparation des flux entre piétons et vélos. Bon, on considère que là, c'est vraiment aller vers un équipement luxueux, je vais le qualifier justement comme ça, et qu'il me semble que la solution derrière de 3 mètres est la bonne solution.
Alors, si on parle donc des conséquences au niveau finance, hein, alors évidemment, par rapport à la première estimation qui était réparation sur une passerelle à 2 mètres, on voit évoluer aujourd'hui le coût de façon conséquente. Hein. On est donc sur une passerelle neuve à 390 000 euros. Mais si on partait sur l'idée de réparer la passerelle actuelle en l'élargissant, sachez que le montant des travaux serait supérieur, puisque nous atteindrions 410 000 euros. Donc voilà pourquoi on vous propose ce soir de retenir l'orientation du bureau d'études, à savoir, et je précise, j'ai oublié de le dire, que nous avons consulté la DDT, Direction départementale des territoires, qui est la direction qui conseille notamment la préfète et la sous-préfète pour accompagner les projets sur le plan financier. Et dans l'analyse qu'ils font de cet avant-projet sommaire, confirme donc que pour eux, la solution est bien la solution d'une passerelle avec une largeur de 3 mètres, sachant bien sûr pour eux, ils considèrent le réaménagement global par le tribunal des passerelles. Et donc, ils sont prêts à suivre ce choix si nous le retenons ce soir. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette passerelle. Alors, je sais que les Saint-Girondins s'impatientent. C'est l'occasion, souvent, le samedi matin au marché, d'expliquer à ceux qui viennent m'interroger directement que certes, ça peut paraître simple de mettre une passerelle en service, mais il faut le temps des études est maintenant terminé, et nous allons passer donc maintenant au stade de l'action au niveau du projet. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, M. Pérouzin. Une question technique, la partie de la personne actuelle, non. Donc, alors, je ne sais pas si c'est Mme Bonneau qui va vous répondre. Je ne pense pas qu'elle soit autorisée à le faire. On va passer la parole à M. Angelina qui va vous préciser le devenir des piles. Bonsoir. Oui, la pile centrale, puisque cette passerelle a une certaine courbe pour ne pas rater l'eau, quand il pleuvra. Et elle sera sur une levée. Quant à sa charge, elle est suffisamment costaud pour la supporter. Pourquoi? Parce que l'ancienne passerelle, elle était constituée de linteaux de 6 cm de béton sur toute la longueur, ce qui représente à peu près 60 tonnes de charge. Et de surcroît, comme l'aluminium est très peu dense, on gagne aussi du poids sur la matière. Donc la culée du milieu sera conservée, arrangée certes pour donner une valve, mais elle ne nécessitera pas des travaux de confortement. C'est la crainte qu'on avait eue et puis finalement le bureau d'études a bien confirmé ça. Merci M. Léviard. Votre intervention sur cette passerelle. Oui, monsieur Demar. Une question sur le matériau, c'est l'aluminium. Il y a une passerelle qui est déjà faite en aluminium au-dessus du salat. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est présente. Est-ce qu'elle a été prise en compte la durabilité de cette passerelle qui est déjà présente? Je parle de la passerelle qui est entre le lycée professionnel et le lycée général. Est-ce qu'elle donne entièrement satisfaction au niveau de la durabilité? Ou à l'empreinte, ça bouge, ça prend. Alors, quelqu'un autre que moi pourrait nous répondre bien plus précisément sur le mois et l'année de sa réalisation. Moi, je vais vous répondre sur la deuxième partie, à savoir comment vit cette passerelle en année. Il se trouve que le rapport fait par le bureau d'études sur l'état sanitaire de la passerelle m'a été remis cette semaine. Vous voyez, on est en pleine actualité. Parce que je peux vous dire, c'est que la passerelle vit bien au niveau de sa situation sanitaire. Il y a quelques interventions vraiment de nature peu engageantes sur le plan de la responsabilité.
Et donc, effectivement, la vue semble un matériau tout à fait adapté. Madame Bousquet. Oui, je voulais simplement savoir s'il était possible de recevoir les documents du bureau d'études, si vous pouviez les transmettre au conseil municipal. Oui, ce n'est pas des documents secrets, donc on vous donnera effectivement l'avant projet sommaire. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion ou le temps de le faire en commission de travaux l'autre jour, tu as eu le temps de présenter l'avant projet sommaire ou pas sur la personne maintenant. Voilà. Donc ça sera également fait lors de la prochaine commission de travaux. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc je vais reprendre la note de synthèse. Merci, Patricia. Par rapport donc, au nouveau plan de financement, comme je vous l'ai dit en introduction, on était à 1 409 202 en début d'année. Nous passons à 1 489 036 après avoir fait donc, ce travail un peu plus affiné concernant le parc et la passerelle. Donc, le plan de financement, il prend en compte une subvention, alors espérée, on est bien d'accord, au niveau de l'Europe, ce qu'on appelle le FEDER, à hauteur de 200 000 euros, décliné en trois tranches et passerelle, aménagement du parc et l'habilitation du château et accessibilité. Pour la région, 30%, pour un montant total de 275 040 euros. Pour le département, 20%. Avec une part de FEDER 2022 concernant le château et l'accessibilité pour 260 485 euros. Et j'en profite pour vous le dire, puisque c'est la suite de ce que nous venons de vous présenter. Il y a également l'État au titre de la DSIL, hein, qui est donc la dotation qui permet de subventionner des projets importants, structurants comme les nôtres. Donc là, nous demandons au niveau de la passerelle 176 385 euros et au niveau de l'aménagement du parc 743 610 euros. Donc, pardon, c'était l'ancien plan, le nouveau plan, excusez-moi. C'est 117 000 euros pour la passerelle et 350 000 euros pour l'aménagement du parc. Alors, on me dirait c'est fortement une baisse. Et oui, parce que si on ne baissait pas les demandes de subvention, on était à plus de 100% de demandes de subvention. Donc on n'allait pas être pris très au sérieux. Donc on vient avec. Bien sûr, ce premier plan de financement, rapport numéro 3, y a-t-il des oppositions ? Je n'en vois pas. Les abstentions ? Je vous remercie. Et le pendant numéro 4, donc pour l'État, au niveau de la DSIL, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 5. Il s'agit de faire un état de subvention aux associations sportives. Et donc, c'est Gérard Sandus qui va vous présenter ce rapport. Merci. Oui, alors, comme vous voyez, bon, les subventions sportives en 2020 étaient de 93 800 euros. La municipalité a souhaité conserver cette, la somme globale. Ensuite, c'est l'Office municipal des sports qui fait une proposition, nous fait une proposition ce soir, et on peut constater qu'il s'aligne sur les subventions de l'année dernière. Voilà ce que je veux dire. C'est bref, c'est clair. Donc, on rappelle que l'année dernière, nous avions souhaité maintenir au même niveau de subventionnement les tissus associatifs Saint-Gironnais et 2021, nous continuerons effectivement à assurer ce même niveau de subventionnement, sachant qu'il faut bien faire la différence entre le fonctionnement des associations et ensuite les animations, voilà, les tournois et autres qui peuvent se faire. Lorsque ça a été fait, donc on subventionne, bien sûr. Et lorsque ça n'a pas été fait, on demande de nous préciser si des dépenses ont été engagées et on subventionne au prorata. Voilà quelle est la politique en matière de l'accompagnement associatif. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, monsieur Grand.
Ma question est simplement de comprendre la règle, sur quelle règle en fait sont réparties les subventions. Est-ce que c'est au nombre d'adhérents ou est-ce que c'est sur d'autres critères? Alors, Gérard Cabuse va vous expliquer qu'en fait ces règles, c'est l'OMSEP qui les établit, qui les applique. Oui, l'OMSEP, c'est l'Office municipal des sports et d'éducation physique, qui regroupe une quarantaine d'associations. Il y a un bureau qui est composé de 16 personnes, c'est généralement ce sont les présidents des associations sportives. Ils ont un logiciel qui gère la répartition des subventions. Effectivement, il y a le nombre d'adhérents, est-ce qu'il y a des sportifs de haut niveau, entre autres, la formation aussi qui a un rôle important. Alors, c'est eux qui décident, enfin non, c'est eux qui proposent. Après ce sont les élus qui décident. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc je vais proposer de délibérer sur le tableau qui vous est présenté donc, pour l'ensemble des associations sportives de la ville. Y a-t-il des oppositions? Non, des abstentions? Je vous remercie. On passe au rapport suivant. Il s'agit donc de la mise à jour du tableau des effectifs. C'est Marie-Christine Delacrise qui vous présente ce rapport. Merci. En fait, donc, c'est la note de synthèse numéro 6 de la liste, à savoir que c'est le conseil municipal en fait, qui doit fixer les emplois du temps à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. En cela, on vient ce soir devant vous, puisque nous avons deux agents du service de restauration qui sont à 80% et que nous souhaitons installer, alors un avec une quotité de 100% et l'autre de 90%. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes attachés à, notamment, c'est pour le cinéma, pour le bon fonctionnement du cinéma. Nous sommes donc, dans la collectivité, nous avons lancé un appel en interne. Deux agents ont répondu présents pour nous aider à faire fonctionner du fait de l'amplitude et du nombre de séances qui avaient été multipliées. Donc, nous augmentons la quotité de ces deux agents. Et en cela, nous devons vous le présenter. Voilà. Il est demandé au Conseil donc, de créer les postes ci-dessus détaillés à compter du 13 octobre 2021. Merci. Oui, des questions, Madame Arbou-Gaston? Oui, juste une précision. Donc, il s'agit bien de deux agents qui actuellement travaillent au service restauration, qui sont à 80% puisqu'ils font 29 heures. Et donc on parle de création d'emplois, c'est simplement parce qu'on va augmenter leur temps de travail à 100%. Et donc c'est une création en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et ces quotités, ces changements de quotité? Au conseil municipal. D'accord. Et alors celui qui est à 90%, ça on lui augmente de 10% son temps de travail, simplement. C'est ça. Ben oui. Ouais. c'est par rapport à leur possibilité, donc, c'était quelque chose qui a été donc vu avec eux. C'est en fonction de leurs possibilités, mais aussi en fonction de nous, de nos besoins, exactement. Merci. Monsieur Gondran. Oui, je pense que nous sommes déjà prononcés favorablement tous pour l'égalité homme-femme. Et alors, je voudrais être bien sûr que ces modifications vont dans ce sens-là. Parce que vous avez demandé de faire un état des lieux pour savoir quelles sont, si vraiment dans la commune de Saint-Girons, l'égalité homme-femme concernant les emplois à temps non complet en particulier, a été respectée. Et dans le tableau qu'on avait fait parvenir, j'ai constaté que les agents communs
des moins bien traités, c'est les masculins. Les agents masculins étaient mieux traités que les agents féminins. Qu'est-ce que vous appelez par mieux traités? Il y a davantage d'agents féminins qui sont à des temps non complets et non surités. Alors j'espère qu'il y a un rattrapage là. Là, il s'agit d'adjoints techniques et ce sont des femmes. Bon, ben voilà, vous répondez maintenant à ma question. Et pourquoi ne pas, pourquoi ça va être à 90%? Parce que la personne ne peut pas. C'est-à-dire les postes qui sont créés en fonction des besoins et vu avec le personnel. Et en fait, ça s'est déterminé comme ça. De toute façon, ouais. S'il y a un besoin complémentaire, on va découvrir autre chose. D'autres interventions sur ce tableau, donc. Merci, madame. On passe donc au vote. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Je vous remercie. On passe au rapport numéro 7. Création d'un poste de catégorie A. Et c'est madame Delantens qui va vous le présenter. Bien. Donc, création de poste de catégorie A à l'application de l'article 332 de la loi, en bref. Pour être très brève, à savoir, nous avons donc notre personne catégorie A aux finances qui, par le truchement de mutation, est partie. Donc, va partir au 1er décembre, effectivement. Donc, nous avons lancé Nous avons lancé un appel à candidature, à savoir que pour l'instant, nous n'avons pas eu la chance d'avoir d'autres demandes de mutation en tant que fonctionnaire titulaire. Et donc, ce que nous faisons, nous offrons en fait la possibilité de créer un poste de contractuel pour pouvoir aboutir en recrutement. Faute de fonctionnaires, au travers d'une mutation, nous créons donc l'ouverture d'un poste cadre A contractuel. Voilà. Alors, la création va compter de... Précisons que nous ne savons pas ce soir si nous aurons besoin d'utiliser ce poste créé et on sauve la possibilité de pouvoir recruter un grand titulaire. Voilà. Merci. Donc, et le reste, je vous le laisse à votre lecture. Alors, est-ce que ça appelle des questions, des observations, Monsieur Beaugrand? Écoutez, je vais proposer, Monsieur Père, je vais proposer d'élargir la question. Là, il y a des questions de la personne qui s'occupe de la comptabilité en mairie qui souhaite quitter la mairie pour prendre un autre poste ailleurs. Alors, qu'en est-il du DGS? Alors, Monsieur Bondran, ça ressemble à une question diverse. Donc, je poserai cette question diverse, je vous remercie. Donc, précisons que ce personnel, je veux dire un mot quand même, sur Madame Mestre, qui est avec eux, satisfait pleinement de ses missions. Nous regrettons, bien sûr, j'ai eu l'occasion de lui dire son départ, mais précisons que c'est pour un rapprochement familial. Madame Mestre habite avec sa famille du côté de Saint-Gaudens et elle a eu la chance de pouvoir solliciter un poste correspondant à son grade à proximité de son domicile et donc logiquement, on encourage ses choix professionnel et personnel. Simplement, je précise que je veux saluer ici son travail de grande qualité et le fait que nous regrettons bien sûr ce départ, mais bien évidemment, on est là pour accompagner aussi les agents dans leurs projets professionnels et personnels.
Sur ce projet, il reste d'autres interventions. Pas d'autres interventions, donc je vais vous proposer de délibérer pour la création de ce poste de catégorie 1. Contractuel, il y a des oppositions. Il n'y en a pas, des abstentions. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 8. Il s'agit donc d'un rapport concernant le régime indemnitaire, autrement appelé le RIFSEP. Madame Delapresse. Alors, régime indemnitaire, à savoir que depuis le 1er octobre, je vais vous faire une synthèse là aussi, on ne va pas se perdre dans un écrit que vous avez sous le nez. À savoir que depuis le 1er octobre, nous avons accueilli en mairie un assistant social, une assistante sociale, M. Gondran, c'est donc un personnel féminin qui est affecté à cette tâche afin d'accompagner le CCAS. À savoir que cette personne, en fait, nous n'avions pas d'assistants sociaux dans cette collectivité. Donc, il nous a fallu, il nous faut créer tout ce qui est de l'ordre du régime indemnitaire. À savoir, donc, on vous propose dans l'assistance socio-éducative, on sait au niveau des emplois, donc groupe 1, direction d'établissement ou de collectivité, le montant minimum 0,0, montant maxi 19,480, plafond indicatif réglementaire 19,480. Et le groupe 2, direction de service, avec un plafond indicatif réglementaire de 15 300 euros. Voilà. Donc, il nous faut créer la possibilité pour cette personne de bénéficier dans notre collectivité de ce régime indemnitaire. Merci, madame. Des questions ou des observations? Alors, on va donner la parole à votre conseiller. Bon, est-ce qu'on pourrait connaître l'identité de cette personne, puisqu'elle ne nous a pas été présentée? Ça, c'est une première question. Et du coup, j'imagine que pour déterminer le groupe 1 ou le groupe 2, ce sera le futur DGS, ou vous, monsieur le maire, qui allez décider de dans quel groupe de fonction cette personne va. À quel groupe de fonction cette personne va émerger en fonction de sa fiche de poste, de l'organigramme et de ses éventuelles fonctions d'encadrement au sein de la collectivité. Elle va être donc directrice de service, c'est un travailleur social qui est catégorie A et c'est donc au groupe de direction de service. C'est quelqu'un qui peut, montant maximum, vous voyez, l'indemnité 12 000, 15 300. On reprendra de façon certainement par rapport à sa qualité antérieure. On va regarder sur sa fiche de poste pour faire quelque chose d'assez égalitaire. Quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui était déjà dans la fonction publique territoriale? C'est un détachement ou une mise en disponibilité du conseil départemental de la Haute-Garonne. Madame Rollin Puissévert, vous voulez dire un mot de votre directrice de service? Ce que je peux dire, c'est que je suis, moi en tant que maire adjointe chargée du CCAS, je suis pleinement satisfaite que notre conseil municipal et le maire, notre équipe donc, ait suivi cette demande et répondent favorablement. Cette personne donc diplômée sera donc en fonction effectivement de cadre, de coordonnatrice donc du service et complètement attachée à ce qu'est la fonction du CCAS dans sa veine, c'est-à-dire recevoir des publics vulnérables, pouvoir répondre à la complexité de ces situations sans les accueillir, sans autant se substituer aux autres services, puisque le CCAS intervient toujours en dernière demande
après les services tels que le conseil départemental, la CAF, les caisses de retraite ou autres. Nous avons une mission d'accueil qui devient pleine et la complexité de ces situations, elle sera capable, vu sa compétence, de les gérer. Alors, on aura l'occasion de présenter et la personne, et le service, et les pauvres locaux dans peu de temps, puisque nous sommes en train de terminer les travaux régalement. Et Madame Roland Bucéver se fera, j'en suis convaincu, un grand plaisir de vous présenter tout cela à l'ensemble des élus, bien sûr. Alors, je ne sais pas si ça a été fait ou si ça va être fait dans le cadre de la commission solidarité sociale. Ça pourra être fait aussi dans le cadre du conseil d'administration du CCAS la semaine prochaine. En bref, ça va être le cas dans les prochaines semaines. Vous alliez dire le nom, mais on vous a pas le. Christelle Tataro. Madame Christelle Tataro. Ouais. Je suis le Madame Rennes-Différin. Est-ce que cette personne aura les propositions également de gérer, au moins une fois, tous les employés du CDS, les sollicitations, c'est-à-dire les personnes qui arrivent Je pense que, effectivement, la question des domiciliations est une question qui est délicate. Jusqu'à maintenant, c'était donc les deux salariés qui géraient ces problèmes, mais qui, de toute façon, la vie était toujours soumise à monsieur le maire, si vous voulez. Mais effectivement, Christelle Tataro a eu à gérer ce type de problème et elle peut faire une évaluation qui parfois est plus complète que celle qui pouvait être faite par les deux autres salariés qui n'ont pas, au niveau de leur catégorie, les mêmes compétences et ont plus de limites dans ce qu'elles peuvent faire. Bien, nous allons donc délibérer sur ce projet numéro 8. Y a-t-il des oppositions ? Sur le régime indemnitaire, madame. Oui, d'accord, mais nous créons donc ces deux groupes et on nous a précisé donc dans quel groupe elles sont considérées. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Nous passons au rapport suivant. Il s'agit du rapport numéro 9. Concerne la signature d'une convention de mise à disposition de personnel mairie, c'est les étapes avec l'école de rugby du Couserans, et c'est Gérard Cambus qui va nous présenter ce rapport. Merci. Merci. Pour la signature de convention de mise à disposition avec l'école de rugby du Couserans, monsieur le maire expose qu'on vient de signer une convention avec l'école de rugby du Couserans, afin de déterminer les conditions de mise à disposition des deux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives qui interviendront auprès de la structure en hauteur de 3h30 à 5h30 par semaine. Il est demandé à l'Assemblée d'autoriser la signature des conventions ci-après annexées. Comme vous avez annexé la convention des deux éducateurs sportifs qui sont du bas et Frédéric Bocquèze, les deux sont identiques et ceci se fait depuis pas mal de temps entre la ville de Saint-Jean, entre la mairie et le rue. Sans mettre des questions ou des observations, il va falloir allumer l'écran puisqu'il va falloir qu'on projette un plan. Merci. Bon, s'il n'y a pas d'intervention, je vais proposer de délibérer. Y a-t-il des oppositions ? Non, des abstentions ? Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 10. Il s'agit de la signature d'une convention de servitude avec Inédis. Donc, on va essayer de vous projeter le plan. L'écran s'est éteint, c'est ça ? Ça y est, redémarre. Et en attendant, Gilbert Angelina va vous en parler. Bon, c'est une convention simple. C'est sur la parcelle numéro
3446 est situé dans les terrains de la base. C'est le nouveau magasin là, de Dio. Oui, cette convention est bordurée par 7 articles. Les droits de servitude consentis par ANEDIS. Les droits d'obligation du propriétaire. Les indemnités sont pas énormes. L'article responsabilité, les différentes dégâts, qui sera responsable, les litiges. L'entrée en vigueur sera à la signature avec le maire, et après il y a les formalités, et c'est vraiment une servitude d'occupation de sol. Pour un câble de 400 watts, à peu près, qui fait 60 mètres de long et une prise de compte. Avec les listes, toujours, ça se passe toujours en avant commission. C'est pas plus joli. Précipitacité. Une explication bien. Merci, M. le Président. Dans le plan vous est projeté, j'espère que vous repérez, c'est le nouveau magasin en face de l'ancienne gare. Et la servitude, vous êtes passé. M. Mourouz, vous reconnaître mieux que quiconque, c'est plan électrique. Oui, M. Bonnefran, je voyais que vous étiez prêt à poser une question. Mais je ne vois pas la servitude. C'est le plan qui est dessiné. Et sous la route. C'est clair, M. Bonnefran. Parce que ça manquait dans le Et vous voyez qu'il faut patienter jusqu'au conseil pour avoir encore plus d'informations. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de délibérer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On va terminer donc par le dernier rapport, qui est le rapport numéro 11, qui concerne donc l'appel à projet pour un poste de manager de commerce. C'est Eric Estac qui va vous le présenter. Merci. Oui, bonsoir à tous. Donc, dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, pour lequel la délégation générale compte tenu, nous aurons la possibilité de répondre à un appel à projet concernant l'embauche d'un manager du centre-ville. Et cette prise en charge dans le cadre du dispositif est de 80% avec un plafond à 20 000 euros. Les missions, le travail d'un manager de centre-ville se décline autour de 4 missions socles que je vous rappelle rapidement. La première, c'est assurer l'animation commerciale du territoire, à savoir élaborer des programmes d'animation, contribuer à leur mise en œuvre, accompagner, encourager et coordonner des actions collectives avec les associations. Soutenir la formation des commerces artisans par la mise en place d'ateliers, que ce soit du web, du bénévolat, tout type de formation. Mobiliser les commerçants autour d'actions collectives, donc ça c'était pour la première mission sur l'animation commerciale. Deuxième mission, contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de redynamisation du commerce local, à savoir participer à la définition du projet de toutes les collectivités, participer à la définition et la mise en œuvre des partenaires publics, la mairie, et privé d'un plan d'action de relance de l'appareil commercial local et contribuer à la mobilisation des partenaires et parties prenantes de la stratégie. Troisième mission, élaborer et mettre en œuvre un plan de lutte contre la vacance commerciale et la rénovation du commerce. Donc, déjà identifier les dispositifs contre ces fameuses vacances commerciales en lien avec une chaîne de projet, développer des actions de prospection, de sensibilisation et d'aide à l'installation. Donc, travail auprès des propriétaires, conversion de locaux, mise en place d'initiatives innovantes, des boutiques éphémères ou autres. Identifier des accompagnements possibles et les parties prenantes associées par la CCI. Quatrième mission socle, assurer la gestion administrative et budgétaire des missions confiées. Donc, c'est mettre en œuvre des outils de gestion de projet sur la planification du budget, de suivi, des évaluations. Recherche de financement également, qui font partie de ces missions. Reporter des activités auprès des comités de pilotage, que ce soit la mairie ou d'autres de tutelle de CCI. Préparer également et participer à l'animation de réunions de travail, concertation avec tous les partenaires.
Voilà, je crois que c'est un nouveau job qui a vu le jour une dizaine d'années, qui a donné des résultats très intéressants sur certains territoires. Au nombre de communes de notre taille, on procédait à l'embauche de managers de centre-ville. Il se félicite du résultat, par exemple, je citerai Mariège, fois et demi. Merci Eric. Alors, sur cet appel à projet, donc, avec un financement très intéressant hein, sur les deux prochaines années, est-ce qu'il y a des observations ou des interventions? Oui, madame. Est-ce qu'on a une idée du coût du poste? C'est 80% de l'euro, c'est un plafond à 20 000 euros. Donc, ça fait 25 000 euros. Oui, monsieur Dumas. Donc, le gros souci avec l'intitulé de ce job, comme vous dites, c'est pas vous qui l'avez entendu. C'est oui. D'accord. C'est un appel à projet. Hein. Voilà. On entend beaucoup de mots, communication, marketing, manager, et je suis désolé, j'ai bien écouté votre exposé, mais ça ne correspond pas à grand-chose. Donc, j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'il va faire, que va faire cette personne concrètement. Vous citez l'exemple de Foix. Foix, c'est quand même une ville où il y a aussi énormément de commerces abandonnés. Donc, la réussite, je vous engage à... effectivement, le Saint-Girons, c'est peut-être encore pire. D'accord. Enfin, ça fait quand même pas rêver non plus. Voilà, qu'est-ce que c'est l'attractivité commerciale du territoire? On est, enfin, on regrette, mais là, on est toujours sur la définition d'économie. On ne sait pas à quoi elle sert, on ne sait pas où elle va. En tout cas, on ne voit pas en quoi elle répond aux besoins de la population locale. On voit que déjà les productions locales et les services publics sont insuffisants. Je ne vois pas très bien en quoi le manager du centre-ville va nous aider. Merci. Contrairement à nous, et à l'État, dans le cadre des petites villes de mer, qui considèrent que c'est, comme l'a dit Eric Estac, un poste hautement stratégique. Hautement stratégique, parce que Saint-Girons, comme d'autres petites villes, souffrent de vacances commerciales, des magasins qui ferment, des activités commerciales sont moins représentées sur la ville. Et tout le travail de ces personnes qui ont des formations adaptées à leur mission, c'est justement d'optimiser le territoire, de mettre en relation peut-être les propriétaires de magasins avec des porteurs de projets, redynamiser le tissu commercial de la ville au travers d'actions collectives avec l'association des commerçants, par exemple, bon, qui est en sommeil actuellement, mais qui va normalement remettre, avoir, se fixer des objectifs de redynamisation du centre-ville qui me paraissent très importants pour notre ville. Voilà, alors le manager, le terme manager ne vous plaît pas, mais c'est, on pourrait, en bon français, on pourrait qualifier ça de coordinateur et organisateur de d'offres commerciales pour la maison. Merci. Je crois qu'il y avait une question. C'était M. Miron qui avait levé la main. Oui, juste une petite question, bien évidemment, sans remettre en cause le fait que quelqu'un puisse redynamiser et aider à redynamiser les commerces sur Saint-Girons. Il faut savoir que sur Foix, par exemple, la ville s'en occupe, a un mi-temps avec la commune, avec la ville, et l'autre mi-temps avec la communauté d'agro. Et je crois savoir qu'en 2019, à cette époque-ci, il y avait eu, dans la communauté de communes, un manager dans ce style-là qui avait été présenté avec l'association des commerçants. C'est pas tout à fait le même intérêt. Tout à fait le même. Et je voulais juste savoir si les deux personnes, bien évidemment, allaient pouvoir travailler ensemble, parce que l'essentiel du commerce, malheureusement, heureusement pour nous, il y a quand même un succès Girons, et c'était juste pour savoir le lien qu'il pouvait y avoir entre les deux clauses. Bien entendu, plus ces personnes-là vont collaborer et mener des synergies ensemble, plus les réalisations seront bénéfiques pour l'ensemble du territoire. Avec une nécessité pour les personnes qui sont recrutées au niveau de la communauté de communes, bien sûr, d'avoir des activités dans la ville, mais également en dehors de la ville. Alors, vous savez que la communauté de communes, c'est 94 de communes. Donc, c'est vrai que ce renfort, à mon avis, sera le bienvenu. Oui, monsieur Doman.
Donc, j'ai bien entendu vos explications. Je partage après un constat sur l'état du centre-ville. Mais est-ce qu'il est bien sérieux de dire qu'une personne, enfin, cette personne va en 2 ans régler le problème avec 20 000 euros par an? Donc, c'est quelqu'un qui va être à peine aussi. Non, 20 000 euros, c'est la subvention. C'est la participation de l'État. 20% de 20 000. D'accord. Et donc, à peine plus que le SMIC sur un poste hautement stratégique, sur une mission de 2 ans. C'est bien sérieux. On verra aussi les profits qui vont nous arriver. Ce soir, on n'est pas en train de fixer le salaire du futur. C'est ça. C'est bien sérieux. L'agent de commerce. Hein. Après, si on trouve une perle rare qui est peut-être à 30 000, je ne sais pas. Tout est envisageable. Il y a un plafond 20 000 de subventions de la part du dispositif. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose un délibéré. Si vous levez la main, je vous donne la parole avec un plaisir. Je constate que notre collègue, vous l'avez déjà vu, voilà. Alors, je constate que notre collègue qui est assis à côté de moi a fait une remarque qui m'interpelle. C'est un salaire, c'est une rémunération quasiment au SMIC. C'est la subvention plafonnée par l'État qui sera de 20 000 euros. Ce soir, on ne peut pas préjuger du candidat qui sera retenu et de ses exigences salariales. Donc il est possible que ce soit un salaire plus important que le salaire correspondant à 80% de... Ce qui veut dire que nous y reviendrons. Ce qui veut dire que nous y reviendrons sur la question... lorsque nous aurons le plaisir de vous présenter la personne recrutée. Et nous y reviendrons dans le cadre du budget, puisque quand même, pour pouvoir payer la personne, il faut que le budget le permette. Une dernière question, est-ce qu'on a du recul par rapport aux villes qui ont déjà ce type d'emploi, qui ont déjà ce type de manager en termes d'emploi justement, hein, parce que le but c'est ça en fait, de redynamiser le centre-ville, c'est de créer de l'emploi. Le but il est double, vous avez raison Madame Bousquet, c'est si on peut récupérer les emplois c'est génial, mais c'est surtout redonner une attractivité à la ville, ça consiste à plus avoir de vitrines pleines d'affiches, délabrées, complètement laissées à l'abandon. Donc renforcer l'attractivité déjà incitera certainement les porteurs de projets de façon supérieure pour venir s'installer au centre-ville de Saint-Girons. Et pour répondre à votre question sur les exemples, personnellement j'ai vu pas mal de reportages sur ce nouveau job, parce que c'est nouveau. Il y a beaucoup de petites villes de 5-10 000 habitants où vraiment l'impact a été très important. Après c'est personne dépendante, il faudra embaucher un bon, il faudra embaucher pas très motivé évidemment, mais ça c'est de partir. Je rappelle quand même que l'orientation forte de l'État, c'est de mettre à disposition des communes, et qu'il y a plus de 1000 communes retenues dans l'appel à projet Petite Ville de Demain, des montants de 20 000 euros sur 2 ans, vous faites la multiplication fois 1500 communes, donc vous voyez quand même les engagements qui sont pris. Quoi. C'est qu'on considère que c'est des emplois stratégiques. Ok, on va passer donc au vote. S'il n'y a pas d'autres interventions, y a-t-il des oppositions? Une opposition? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Alors on a terminé avec les délibérations. J'en profite d'ailleurs pour vous donner une information. Vous savez que nous devons recruter aussi dans le cadre de Petite Ville de Demain un chef de projet. Nous avons d'ailleurs commencé à recevoir plusieurs candidature et nous allons être amenés donc à les étudier. Mais pour pouvoir recevoir une subvention la plus importante possible. En l'occurrence, si vous vous souvenez, on vous avait parlé de 75% de subvention. L'État nous a fait savoir que ces 75% de subvention pourraient être notifiés si le poste était porté non pas par la commune, mais par la communauté de communes.
Donc nous avons été amenés à demander à la préfecture de Couserans-Pyrénées de bien vouloir accepter de porter le poste, ce qu'elle a fait, dans le cadre du dernier bureau, je crois que c'était le 7 octobre. Et donc c'est la communauté de communes qui portera ce poste, elle recevra les 75% de subventions de l'État, et la ville de Saint-Girons sous forme de concours, puisque c'est quand même une personne qui va être affectée exclusivement à ce projet, donc la petite ville de Maine, versera le complément, à savoir donc les 25% restants. Là, la décision que je souhaitais vous donner à titre d'information ce soir, on est tout à fait dans le sujet, et c'est la raison pour laquelle je me suis permis d'enchaîner sur ce point. Question diverse, M. Wondran, vous vouliez la poser tout à l'heure, donc vous êtes autorisé à la poser maintenant. Mais écoutez, j'ai plusieurs questions, M. le maire. D'abord, bon, je reviens sur cette question concernant le DGS, qu'on ne voit plus à Saint-Girons. Alors, et pourquoi il ne se plaît pas, il ne sait pas plus parce qu'il, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, comme Mme Mestre, M. Laurent, donc, qui a sa résidence sur la région de Toulousaine, a eu l'opportunité donc, de répondre à proposition d'emploi dans une commune en proximité de la région toulousaine, donc a été reçu par les collègues maires, donc en place, je crois, il a du Moissac, c'est du Moissac. Et donc, comme je l'ai dit pour le ministre, il est normal que nous accompagnions les parcours professionnels et personnels de ces salariés. Nous savons la difficulté que nous avons de garder en Couserans des gens qui sont éloignés au niveau de leur vie familiale et donc de ces agents qui ont souhaité se rapprocher de Toulouse. Quand nous avons immédiatement relancé un appel à candidature, nous avons déjà quelques candidatures. Bon, je vous remercie. C'est la question que je voulais savoir. Je vous ai répondu. Pour savoir si ce que vous comptez faire, ce n'est pas. J'ai répondu. Maintenant, je vais lire, si vous voulez, le courrier que je vous ai adressé concernant le jardin des comptes. Lisez. Pour la séance du conseil municipal du 13 octobre, aujourd'hui, puisqu'il est question du château des Vicomtes, je tiens à rappeler que je vous ai déjà demandé, à de nombreuses reprises, la communication de la copie de l'acte d'achat passé devant le notaire désigné depuis le mois d'avril 2021, également le rapport du bureau d'études et expertise du bâtiment, ainsi que la facture correspondante. Je rappelle la demande d'une visite complète du bâtiment, ainsi que le rapport précis des charges et recettes si importantes. Alors, c'est vrai que je reviens sur cette question. Vous m'avez répondu plusieurs fois, et je pense même à la réunion de la commission des finances, que l'acte n'était toujours pas signé. Alors je trouve que depuis le mois d'avril, ça met vraiment beaucoup de temps. Et c'était pour, si j'ai posé le poser par écrit, c'est pour surtout être sûr de ne pas être oublié. Voilà. Alors, je vous rassure, vous ne serez pas oublié, mais je vais profiter de la question du conseil municipal pour redire ce que vous avez dit l'autre soir en commission des finances. En effet, la signature de l'acte n'est pas encore faite, puisque c'est entre les mains du notaire. Les dernières informations que nous avons nous laissent penser qu'il y a encore quelques documents à rassembler dans le dossier pour qu'on puisse passer à la signature, donc je pense que ça ne devrait plus tarder. Et ce n'est que lorsque nous serons propriétaires que nous aurons l'occasion d'aller visiter ensemble notre nouvelle propriété, et nous en profiterons pour faire un point sur, effectivement, la situation de ce château, les travaux qu'on vient d'en parler qui sont envisagés, notamment l'accessibilité. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner une autre information. J'étais l'autre jour invité à la rentrée solennelle du tribunal de Foix, avec donc la présidence de la présidente du tribunal et du procureur de la République, qui nous ont présenté donc deux nouveaux juges, dont un qui est affecté au tribunal de proximité du Saint-Girons. Je rappelle qu'il n'y avait plus de juges depuis 2018, si je vois la mémoire.
Et je tiens à vous préciser ce soir qu'il a été dit dans l'allocution de rentrée, de façon très solennelle, et ensuite dans les discussions un peu plus directes et privées, à quel point la justice départementale tenait à continuer à exercer ses missions au cœur de ce château des vicomtes. Donc pour ceux qui s'interrogeaient sur éventuellement une discussion pour reloger le tribunal, clairement, actuellement, ils envisagent plutôt de consolider leur présence dans ce château, puisque le procureur a rappelé que ça faisait 201 ans que la justice était rendue en ces lieux. Et donc, il faut en tenir compte pour l'avenir de ce bâtiment. Et on doit se rencontrer très prochainement, justement, pour parler de l'accessibilité. Alors, je continue, merci, M. Maire, je continue en disant que je vous demandais de revenir sur la question de la restauration du bâtiment du Forail, puisqu'en commission des finances, vous nous aviez annoncé qu'aucune entreprise ne souhaitait faire des travaux, vous aviez lancé un appel d'offres, et qu'aucune entreprise n'avait répondu. Alors, tout à l'heure, quand nous avons parlé de la passerelle, et d'ailleurs, je me semble avoir suggéré que peut-être que la proposition n'était peut-être pas suffisamment précise, et plutôt, c'est-à-dire mal formulée. Et je m'aperçois que concernant la passerelle, qui était aussi soit une réparation, soit une restauration, soit pour en faire une œuvre, le maître d'œuvre de ce bureau d'études est allé un peu plus loin qu'une simple expertise rapide, et je vous suggérerais de proposer de faire la même chose pour ce bâtiment foirail, c'est-à-dire de demander à un bureau d'études de préciser ce qu'il y a réellement à faire pour restaurer le bâtiment. Parce que peut-être que vous auriez, en tant que président de la communauté de communes, besoin de place, et peut-être que vous souhaitez, peut-être qu'on le démolisse, le bâtiment. C'est la question que je vais vous poser ce soir. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement ? Est-ce que vous souhaitez le restaurer ou vous souhaitez le démolir ? Alors, M. Bonnerin, qu'est-ce qui pourrait m'amener ce soir à vous dire que je souhaite le démolir ? Parce que nous avons fait les choses en toute logique. Nous avons demandé à un bureau expert de venir faire une analyse sanitaire de cette halle couverte. La conclusion de ce bureau n'a pas été qu'il fallait démolir ce bâtiment. Au contraire, la conclusion a été qu'il fallait apporter des réparations sur un certain nombre de piliers, par le couvert de l'hiver ingénieur. Vous dites, faut-il une étude complémentaire ? Vous reprenez en fait les propos en commission des finances. Nous avons lancé un premier appel à projet, aucune entreprise n'a répondu, c'est un fait. Nous avons relancé cet appel à projet, je crois qu'il se termine au mois de novembre. Nous verrons bien si nous retrouvons cette situation, ou si l'entreprise s'intéresse au dossier. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le cahier des charges qui leur est proposé, s'ils veulent bien lire l'ensemble des documents, il y a non seulement un diagnostic, mais il y a aussi, Gilbert, des préconisations de réparation. Donc, ils ont tout loisir de vous proposer une méthode technique et surtout le montant correspondant à ces interventions. Donc, nous verrons bien si d'ici début novembre ou mi-novembre, une ou plusieurs entreprises souhaitent s'intéresser à ce projet qui, quand même de mémoire, avoisine les 250-300 000 €, hein, c'est ça ? Voilà, donc c'est quand même un marché conséquent. D'autres questions diverses, oui, monsieur Demar ? Oui, deux questions. Première, c'est est-ce qu'on peut avoir les documents papier pour les conseils municipaux ? Donc j'ai bien reçu le message avec les documents. Et pour éviter d'avoir toujours un ordinateur, est-ce qu'il est possible d'avoir les documents papier ? Deuxième question, sur les impôts fonciers, pourquoi de telles augmentations cette année ? La taxe sur l'inter-
comme il était passe de 13 à 15% et sur le bâti, sur le non-bâti de 77 à 89%. Merci. Alors sur la première question, c'est vrai qu'on privilégie les formes dématérialisées, hein, je crois qu'on va dans la logique des choses. Hein. Je vous laisse imaginer si on sort chaque fois un dossier papier pour les 29 élus de la commune. Je crois que ce n'est pas la solution. Donc si vraiment il y avait une difficulté de réception des documents, de consultation des documents, on peut effectivement pallier ces difficultés en vous donnant un document papier. Et de grâce, si vous avez la possibilité de recevoir de façon dématérialisée les documents, je crois qu'il serait raisonnable de continuer à travailler comme ça. Je le répète, on ne peut pas, il faut penser aussi au budget, on ne peut pas dépenser des tonnes de papier. Alors aujourd'hui, nous avons des moyens quand même de travailler différemment. La planète, le numérique détruit des ressources, peut-être certainement beaucoup plus que le papier. Enfin, je suis assez sidéré en fait par vos propos. Je pensais que c'était un discours qui était quand même assez percutant sur la destruction du numérique, de la place que ça prend aujourd'hui. Voilà, sinon j'amènerai quelques ouvrages pour éclairer le conseil municipal à ce sujet. C'est une grave erreur de croire que le numérique protège la planète. Après, peut-être que si je suis le seul à faire la demande, ça peut être juste pour moi. En fait, ça m'est très imprimé pour tous. Mais vous avez votre voisin de table qui, souvent, nous sollicite, mais on essaye de le rendre lui aussi raisonnable. C'est le contraire, en fait. C'est ce qui n'est pas raisonnable, c'est de tout faire par Internet. Et c'est votre jugement, c'est votre jugement. Je ne suis pas le seul à le porter. Ah, ça, c'est le seul à le porter. Deuxième question sur les augmentations de taxes. Alors, dans cette noble assemblée qui est le conseil municipal de Saint-Luron, je ferai remarquer simplement qu'il n'y a pas eu d'augmentation de taxes. Nous avons voté les mêmes taux que l'année précédente. Donc, au niveau de votre analyse de l'augmentation, au sein du conseil municipal, je préfère quand même rappeler qu'il n'y a pas eu d'augmentation de taxes. J'ai bien noté que vous parliez de l'intercommunalité. Mais l'intercommunalité, je vais vous faire patienter un petit peu. Nous aurons l'occasion de présenter le rapport d'activité de la communauté de communes, peut-être lors du prochain conseil municipal, et vous aurez tout loisir de nous interroger, et moi particulièrement, sur toutes les décisions de la communauté de communes causeront pire. D'autres questions diverses. Bien. Écoutez, si on n'a pas de questions diverses, donc on va clôturer la séance. Je vous remercie à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon appétit et à très bientôt dans le cadre des commissions ou lors du prochain conseil municipal. Merci.